les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, c'est Motin905, on est de retour pour une nouvelle vidéo et peut-être le troisième épisode, enfin c'est sûr, le troisième épisode du Let's Play Tekken 8, les amis, et peut-être la fin de ce Let's Play, on va voir aujourd'hui, parce qu'on est bien avancé dans l'histoire, et généralement les histoires de Tekken ne sont jamais très très longues, mais en tout cas, celle-là, elle est excellente, et elle est vraiment excellente, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va peut-être, alors on va voir si elle est si c'est un grand épisode ou pas en fonction de l'épisode, si je mets du temps à finir l'histoire. Si j'arrive à finir l'histoire, on fait un, je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'il y a à part l'histoire, genre hors ligne, en ligne, la personnalisation, enfin tout ce qu'il y a. Alors, je vous dis à tout de suite, les gars, lancez l'intro et on se retrouve tout de suite. Elle qui combattait les Jackson. Oh là. Ah bah oui. Ah oui, il était de parti sauver Jin. Ok, laisse-moi faire. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pas Kazuya qui était Oh là là. Allez. Ah oui, on combat directement. Hop là, petit salto arrière périllé. Ah ouais, un coup de poing. Ok, hop. Esquive. Hop, hop, hop. Je pense que c'est l'histoire, ouais. Tashkani. Kurabereba. Oretacha yoai kamoshinem. Shikashi. Teo tatsae. Sasaei. Quand nous agissons ensemble, nous pouvons façonner le futur de nos mains. Hé! Fight! Allez, c'est parti! Viens parler, Lance! Oh! Il est fort. Reste à terre. Maigréant. Bon, elle est assez simple. Non.
il a pris cher. Et il va voir Jin, qui est, on va dire, toujours dans le coma malheureusement. Mais Lars n'a pas dit son dernier mot. Bien parlé. Tu es le seul à pouvoir le faire. Ouais, mais toujours dans le coma, et ça devient compliqué. Ça devient très 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 compliqué malheureusement, et on sait pas encore trop comment s'y prendre. Chapitre 12, les amis. Un ogre se trouve sur cette île. L'ogre apparaîtra, tu devras te cacher. Ah ouais, mais il est dans... il est au pays des bisounours. Merde. C'était qu'un mirage. さまは無欲だ。故に母を守れなかった。力なき者は全てを奪われる。お前の手から今までどれだけ大切なものがすり抜けた。 Ok, je vais me battre contre moi-même. J'ai bien l'impression. Ok, c'est parti. Oh. Eh ben non, esquive. Ah non! J'ai cru! Pardon. Ça c'était Jin autrefois. Ah, ok. Prochain combat. Contre moi-même encore. Mais son ancien, je crois que ça date de Tekken 3, si je dis pas de bêtises. Ouais.
t'as fait un marrant mal en plus. Voilà. Terminé. Très bien. と向き合い乗り越えてきたようだな。ああ、怒りと憎しみが俺たちを生かしてくれた。そうだ、罪と使命が俺たちを強くしてくれた。全ては今の自分につながっている。そして未来の自分へ。俺は過去を受け入れる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 。
今のジンは、デビルなのに怖くないよ。死なないでね。今度こそ、全てを終わらせる。 Bon, ça va devenir compliqué là. Bon, pour moi, je pense pour G. Un combat d'oiseaux. Voilà, oh, c'est pour moi ça. Ok, fight. Démon à démon. Tiens, dans le mur. Pas bon ça. Bah allez, on va se reprendre. Voilà, je préfère. Je préfère ça. Voilà. Je me suis fait j'ai été un petit peu mollo sur les deux parties là, je me suis dit. Mais en fait il m'a surpris un peu quand même. Voilà, la dernière fois il a perdu contre ça. Il a l'air de prendre l'avantage, et oui. Oh là là. C'est le pouvoir de protéger. Trois balottes, trois manches. Oh,
Non, je te laisse pas tranquille, mon pote. Non, mais alors. Ah oui, non, c'est le truc, ok. その力以前の俺には届いていたかもしれんな。だが今の俺には遠く及ばん。ここで全てを終わらせてやろう。死ぬこと決意か。 Carrément. On se croirait dans Dragon Ball Z. Vas-y Vegeta. Ah bah il rêve encore. C'est peut-être pas trop le moment. Tu es devenu fort, mon fils. Jun Kazama. でもまだ足りないんだ。もっと強くならないと。俺は存在している意味がない。あなたは優しいから、きっと自分のことは後回しにしてきたのね。 でもそれが誰かを悲しませることもあると、あなたは知っているはず。風間の拳は大事な人の思いを守るためのもの。あ、いや、別に。自分自身も守るべき大事な命だって忘れないで。 母さん、俺は生きたいと思っていいのか。風間の力は命を育み、魔を清め払う。その力で、あなた自身、和也さんを救ってあげて。 Elle s'est transformée carrément grâce à sa mère. Eh bah, bravo. Tiens, dégage. Kisama, son sugata wa masaka. C'est impossible, cette forme. Tu oses. C'est le pouvoir de purification. Tiens, dégage. Un combat d'oiseaux. Ok. Ok. Bon, chapitre 14. Rotation au-dessus des cieux. Très bien. Bon, oui, carrément. On est carrément dans l'espace. Thank you.
Bon. Confrontation. Avec Dad. Allez. Allez, laisse-moi nous combattre là. Quelle puissance! Ça m'est même fou ou pas? Attends, vas-y. Pas bien cru. On a du mal à voir avec ces ailes là. Imbécile. Ouais, à ta place. Ok, m'y attendez pas. Tiens, esquive. Patate dans ta gueule. Fight. Qu'est-ce que je viens de lui mettre? Je vais t'écraser, hein. Pour le moment c'est vous qui t'es écrasé. Hein. T'esquive, non? Non, il se l'a reçu en pleine gueule. Ok. J'ai toujours envie. C'est parti, fight. Heureusement que je me suis protégé. Ouais, c'est les mêmes qui étaient. Allez, rebalade. Je t'approche pas de moi. Oh, on en a plein les yeux, hein. Violet, du jaune. Viens, arrêtez de reprendre ta vie. Ça, c'est une nouvelle prise. J'adore. Voilà, pour finir. Allez, allez. Bim.
Ça c'est la patate de l'enfer. Oh. C'est de toute beauté. Chapitre 15, Force et conviction. ならば誰であろうと殺す。 Mal au crâne quand même. Oh, revanche. Oh, tu diras, on fait que ça depuis tout à l'heure. Oh, oh.
Hein? Tu peux rien faire? Attends. J'allais dire, putain, je pouvais plus rien faire pendant un moment. Encore? Oh, ça n'arrête plus. Tiens, vas-y. Ok. Je fais la même de temps en temps. Ces mecs là. Ah ouais. Par contre les images sont bien faites quand même. Ça c'était un coup à ma mère. À la mère de Jin. Tac. Décidément, il perd à chaque fois hein, contre Kazuya. You will be a shining star of hope. Tu devi vivere. Believe in yourself and look to the future. Igor look good. Nani getchi? Totokoi to wa. Totokoi to wa. Ikiru koto sono mono da. Halte deine tiefsten Wünsche in Ehre. みんなと共に生きるため俺は何度でも立ち上がる諦めの悪さは認めてやるだが勝つのは俺だ Allez, un finissant, il faut que ça s'en finisse là. Allez.
Ok, je l'ai. Ok. Oh. Hop là, esquive. Eh ben non. Allez. Incroyable mec, incroyable. Même humain, il est improbable. Encore? Non mais combien de matchs que je vais faire? Ok. Oh là là. Ok, à moi. Patate dans la gueule chacun. Bam. Eh ouais, c'est le Jin qui gagne cette fois-ci. À terre, Kazuya. C'est pas une goutte de sang, hein, quand même.
Arigato, Kasan. Kitto mata aeru. Kaeru. Minna no moto e. Qui sait, c'est peut-être le dernier Tekken qu'on verra. Peut-être. C'est où? Peut-être pas, il y aura peut-être un Tekken 9. Et ben voilà! C'était Tekken 8, messieurs dames. Alors, on va revenir au menu principal. Très bien. Hop. Bon les amis, voilà, ça c'était le let's play. J'espère que ça vous aura plu, ce let's play. En tout cas, moi sérieusement, il était énorme. Et pour finir, je vais vous faire voir, on va pas jouer pour finir, mais parce qu'on a quand même passé 47 minutes juste de pour finir le let's play, alors que c'était déjà la fin, je pense, en arrivant, et en fin de compte, 45 minutes derrière. Hein. Bon, alors, on a l'histoire, donc là, on a vu épisode de personnages, maintenant, on a tout, le hurling, donc... Le truc nouveau, c'est la quête arcade. Alors en fait, vous créez un petit avatar. Et en fait, vous avez en gros... je vais vous faire voir, on va rentrer dedans. On va rentrer dedans et là, vous vous retrouvez avec des personnes, vous voyez, dont le nom sont de vrais joueurs. Là, par exemple, vous avez Kramer de l'Enfer qui est juste ici mais qui ne joue pas. Ça, c'est un de mes amis. Et puis il y en a plusieurs que je ne connais pas, mais voilà. Voilà, en gros, j'ai des défis à faire, vous les faites, et voilà. Après, voilà. On va partir d'ici. Voilà, ça c'était. Alors là, vous pouvez aussi créer votre avatar. Hein. Donc là, moi j'ai créé le mien, il est comme ça. Voilà. Je pense que c'est... Alors vous avez des rangs, pareil, hein. Moi vous voyez je suis Vanquisher, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est le niveau apparemment. Là, ici vous pouvez jouer, vous pouvez affronter votre fantôme, fantôme téléchargé, fantomia, enfin voilà, c'est plein de trucs, vous pouvez soit affronter votre fantôme, du personnage que vous avez créé. Alors le personnage c'est pas l'avatar, attention. Y a plein de trucs comme ça. Voilà pour ça, en tout cas c'est marrant, c'est sympa, on aime bien. Donc voilà, un petit truc comme ça, c'est toujours plaisant. Vous avez la super bataille des fantômes, donc c'est vos personnages que vous affrontez en ligne. Enfin vous affrontez plusieurs fantômes de plusieurs joueurs. En gros c'est pas eux, mais leurs fantômes. En gros, ils reprennent leur coup et ils imitent un petit peu leur façon de jouer, quoi. Et donc c'est pour ça que y a la super bataille de fantômes. Vous affrontez avec votre fantôme les autres fantômes. Voilà. Le mode arcade, on connaît, hein. C'est 1 contre 1. Voilà. Le VS, joueur contre joueur, ça c'est pour l'écran scindé. Donc voilà, vous pouvez même faire jouer l'ordinateur contre l'ordinateur, c'est vachement bien. entraînement, c'est l'entraînement, hein, tout le monde connaît. Et le Tekken Ball. Juste pour vous faire voir, on va jouer juste une partie. Ah non, merde. Faut que... Voilà.
j'avais mis joueur contre joueur, c'est joueur. Voilà, tu peux choisir aussi gauche ou droite où tu veux te battre, ça c'est bien. Moi je vais prendre l'eau, parce que j'aime bien, comme d'habitude. On va mettre Kazuya en face de nous, on va mettre en moyen, on s'en fout là. Là on va choisir le ballon. Voilà, très bien. Allez, c'est parti. Le cœur d'Azazel. Et là, le ballon il est là, la ligne jaune c'est le milieu, et il faut pas qu'il déteigne la. Et là, tu fais des coups comme si c'était normal. Et là, tu peux lui donner des coups, mais tu peux pas dépasser la limite. La ligne blanche, la ligne jaune, je veux dire. Voilà. C'est raté. C'est vraiment. C'est difficile de le contrôler, mais c'est faisable. Dégage. Allez. Dégage. Ah, ah, la protection. C'est comme Ah, il a bien rattrapé. Hop. Voilà, bim. Voilà. J'aurais dû le mettre un peu plus puissant parce que là, il... en moyen, c'est un peu juste. Voilà. Et les coups que tu donnes dans le ballon vont, en gros, refléter les coups que le ballon va donner à ton adversaire en fait. Voilà, tu vois, hop. Bien en bas. On va voir, je vais me laisser faire. Ah bah trop tard. Je voulais voir pour lui donner un espèce de gros coup, un finisher, mais malheureusement c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous laisserai tester par vous-même si vous avez le jeu. Hein. Bon, ensuite vous avez le mode en ligne. Le bon en ligne, vous avez le salon de combat. Donc salon de combat de Tekken, ça reprend votre avatar comme on disait au mode hors ligne, quête d'arcade. Et là vous pouvez discuter avec des gens du monde entier, vous pouvez discuter, vous pouvez combattre leurs fantômes, vous pouvez se combattre contre eux-mêmes, contre. Voilà, il y a plein de choses qui est possible. Mais attention, quand vous combattez les gens, vous avez un certain niveau. Là, en tant que vous voyez. En mode quête d'arcade, je suis à un autre niveau. Tout à l'heure on l'a vu. Et là en ligne je suis ranger. Alors ce qui veut dire, bon là pour le coup je crois que je suis moins haut en ligne qu'en solo, c'est normal. Parce qu'en solo c'est beaucoup plus simple. Du coup, bah voilà, en fait des moments vous allez tomber sur des joueurs, quand vous les combattez, vous pouvez. Quand vous recherchez quelqu'un, ça peut être n'importe qui, mais qui a 10 rangs de plus que vous, quoi. Donc vous pouvez vous faire ramasser très très vite. Donc à faire attention. Par contre, quand vous allez sur la partie classée, là ça prend en compte le grade, votre niveau. Et là, ils vous mettent quand même des gens de votre compétence, de votre niveau. Donc voilà, ils sont quand même bienveillants au niveau classé. Partie rapide, je pense que voilà, c'est un peu le même genre qu'on retrouve dans le salon de combat de Tekken, c'est-à-dire ils prennent pas en compte le niveau. Vous allez retrouver des joueurs de plus haut ou plus petit niveau que vous. Match hacking, vous pouvez jouer entre amis, effectivement, ça il n'y a pas de souci. Alors pour l'instant il n'y est pas, mais il y aura un tournoi et il y aura une vidéo dessus certainement, les amis. Mais pour l'instant il n'y est pas. Voilà ce que ça fait. Attendez. Voilà. Aucune activité disponible pour cette catégorie. Donc pour l'instant, il n'est pas activé. Mais j'attends avec impatience d'avoir cette mise à jour qui vont nous l'activer. Et bah, on verra. Ensuite, vous avez personnalisation du personnage, personnalisation de l'avatar, personnalisation du joueur et jukebox. Jukebox, c'est la musique, ok.
Personnalisation du joueur, en fait vous choisissez votre joueur et vous le personnalisez. Moi j'ai, pour l'instant j'en ai fait qu'un, c'est l'eau. J'en ai pas fait d'autres. Personnalisation de l'avatar, vous l'avez vu, comme j'ai fait tout à l'heure. Personnalisation du joueur, bah c'est très simple, hein. Voilà mon truc, quand je me bats en ligne, et bah ça représente ça. Et c'est ça que vous allez faire, vous choisissez tout ce que vous voulez, et puis tout simplement. Voilà les amis, pour le coup je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'il y avait et ça fait déjà une heure qu'on est ensemble, donc je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais je pense que ça sera sur un autre jeu cette fois-ci, on verra, je vais y réfléchir, en tout cas ça sera que la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.